Est-ce que ça marche? Est-ce que vous pouvez envoyer des messages? N'y a pas un bruit bizarre là? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous pouvez envoyer des messages? Honnêtement, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous me voyez. Je ne sais pas si je suis en direct. Je ne sais pas où vous lire. C'est quand même une galère, ce truc. Essayez d'envoyer un message quelque part. Je ne sais pas où, mais quelque part. Je suis en train de faire n'importe quoi. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Ah, il y a Samira qui est avec nous, qui me dit, je t'entends, mais on ne peut pas t'envoyer de commentaires. D'accord, je ne sais pas pourquoi. Bon, bah, écoutez, si vous m'entendez, tant mieux. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas m'envoyer de commentaires. Pourtant, normalement, vous pouvez. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que si j'invite des gens, ils peuvent écrire? Samira de la chaîne Shania Sam, quelque chose comme ça. Je ne me souviens jamais exactement des chaînes. Est-ce que vous pouvez écrire maintenant? J'ai pas envie de passer mon temps à parler toute seule. Si jamais si j'aurais fait une vidéo. Ah non, je comprends pas. Attends. Alors. Ah, attendez, je crois que c'est bon. Est-ce que vous pouvez envoyer des messages maintenant? Est-ce que si moi j'envoie un message? Là là. Non mais c'est trop nul ce truc. Déjà que j'ai galéré à trouver comment ça marchait. Vous ne pouvez pas m'envoyer de message. Oh là là. Bon, écoutez les filles, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais on est là pour que je puisse vous montrer mes soldes. Et je ne sais même pas si après on pourra revoir cette vidéo. Donc écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Si quelqu'un, par magie, sait comment ça marche, sait comment je peux activer les commentaires qui m'envoient un message sur mon, soit sur Snapchat, soit sur Instagram, soit sur mon adresse mail. De toute façon, je suis connectée. Il n'y a aucun souci. Ah, attendez, j'ai des commentaires. Salem, ça va. Sana 2102. Eh bien, écoutez, je reçois vos commentaires. Alors, comment est-ce que ça marche par commentaire alors? Bon, écoutez, je vais regarder vos commentaires, tant pis. Je vais regarder vos commentaires et comme ça, on pourra au moins interagir. Au moins, ce sera une bonne chose. Alors, je vais juste me mettre sur les commentaires. Comment est-ce que je retrouve ma vidéo? D'accord. Bon, bah écoutez, je peux regarder vos commentaires sur mon téléphone, donc c'est ce que je vais faire. Je suis désolée si je passe mon temps sur mon téléphone. Et bah écoutez, apparemment ça marche. Bon, écoutez, apparemment ça marche.
Donc écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va marcher un minimum. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais je vais tout de suite commencer par vous présenter ce que j'ai acheté chez Sephora. Au moins, ça sera fait puisque c'est là où j'ai acheté le plus de choses. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez dû voir une petite partie. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez acheté parce que je peux voir apparemment les commentaires. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça me permettra de voir en même temps. Alors, voilà mon gros sac Sephora. J'ai un énorme sac. Alors, pour les filles qui me demandaient où est-ce que je suis partie, pour les parisiennes, je suis partie au Sephora, pas qui est à Chaussée-d'Antin, mais qui est entre Chaussée-d'Antin et Trinité-Saint-Georges. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. C'est un grand Sephora, mais ce n'est pas un Sephora connu. Et donc, ce qui fait que c'est un Sephora où il y a tout le temps des bonnes promos. Vraiment, si vous êtes parisienne, il faut aller dans des Sephora pas connus pour avoir de bonnes soldes. Et c'est ce que j'ai fait. Et en plus, je suis tombée sur une fille qui était hyper mignonne, une vendeuse hyper gentille, hyper mignonne, qui m'a passé des cadeaux en plus. Donc, je vais tout vous montrer. Je suis désolée pour le bruit. Alors, on va commencer par cette petite chose. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. En fait, c'est le Sex & Chocolate de chez Too Faced. C'est tout simplement... Samira m'a envoyé un petit message. C'est tout simplement le Better Than Sex en miniature avec le chocolat soleil. Et vu que je voulais tous les deux les essayer et que j'ai ni l'un ni l'autre, j'ai payé ça 8,36€ au lieu de 11,95€. Mais ça, je sais que vous pouvez en trouver un peu partout sur un peu tous les Sephora. J'avais fait d'autres Sephora, je les avais vus aussi, pardon. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, c'est une eau de toilette de Biotherme pour hommes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Qui s'appelle Aqua Fitness. Je l'ai senti très rapidement. Ça sent... J'ai du mal à parler, je suis désolée, c'est Ramadan. Ça sent un peu l'homme épicé, vous savez, un peu comme Spice Bomb. Et j'aime beaucoup, mais j'ai acheté ça de toute façon pour mon chéri. Je ne l'ai pas acheté pour moi. Et à la base, il était à 50€ et je l'ai eu à 15€. Donc, c'était une super bonne affaire. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit que ça allait lui faire plaisir. Ensuite, j'ai pris un masque intensif qui nourrit, répare en profondeur et protège contre la casse de chez John Frieda, qui se présente comme ceci. Alors, c'est un gros masque qui fait 250 ml, qui est assez bien rempli, comme vous pouvez le voir, et qui est assez compact, en fait. J'ai jamais vraiment testé la marque John Frieda. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé ou pas. Moi, je ne l'ai jamais vraiment testé, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour nourrir mes cheveux et les réparer parce que ces temps-ci, je fais beaucoup de décoloration. Si vous me suivez aussi sur Snapchat, vous devez le savoir. Et donc, je l'ai payé 6,30€ au lieu de 10,50€. Donc, moins 40%, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Vous avez plein de produits John Frieda, que ce soit pour les blondes, que ce soit pour les brunes, que ce soit la gamme Freeze Easy. Donc, c'est celle-ci. Vraiment, vous en avez plusieurs. Donc, si vous allez chez Sephora, vous allez les trouver. Et si vous cherchez un truc en particulier, je pense que vous le trouverez. Parce que vraiment, côté cheveux, il y avait vraiment beaucoup de choses. Ensuite, j'ai pas envie de vous montrer la plus grosse chose que j'ai achetée. Pas maintenant. Ensuite, j'ai acheté un pinceau comme ceci de chez Sephora à 1€. Vous avez bien vu, 1€. Et j'ai même hésité à un moment à en prendre plusieurs parce que je me suis dit, pour ce prix-là, c'est le prix des pinceaux ELF. Donc, je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa à tester. Et donc, c'est un pinceau double embout. D'un côté, vous avez un petit embout pour le blush et de l'autre côté, un petit embout pour la poudre, tout simplement. Donc voilà, 1€, si vous le trouvez dans votre Sephora, profitez-en. Je ne pense pas qu'il y ait dans tous les Sephora. Donc si vous le trouvez vraiment, profitez-en parce que 1€, c'est rien du tout, quoi. C'est comme, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais ce matin et hier aussi, je crois, sur le site de Sephora, ils ont mis leur lisseur à 1€. 1€ au lieu de 49€, je crois. C'était vraiment fou. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment fou. Je lis les commentaires en même temps. Je suis désolée si je coupe à chaque fois.
Donc vraiment, c'était fou, 1 euro. Et je sais qu'il y a pas mal de miss qui ont pu en profiter. Moi, j'ai pas pu en profiter parce que je l'ai vu trop tard. Mais 1 euro lisseur, mais c'est rien du tout, quoi. C'est donné. Ensuite, j'ai pris ce petit truc-là, vous devez sûrement connaître. C'est un masque yeux perles de la marque Sephora. Donc celui-ci, c'est pour les yeux. J'ai déjà testé celui pour les lèvres, je crois. Et celui pour le visage? Non, je pense pas. Celui pour le visage, j'ai pas testé celui de Sephora, mais ils étaient tous en solde et je l'ai payé 1,18 € au lieu de 3,95 €. Et 1,18 €, je me suis dit à tester, c'est plutôt sympa parce que si vous vous souvenez, c'était quand? C'était le mois dernier à peu près, ou il y a à peu près 2 mois, je sais plus. J'avais testé le masque pour les lèvres au karité et j'avais trouvé ça bien, mais 4 euros ou 3 euros à mettre ça, alors que c'est super éphémère comme. Enfin, c'est pas sur du long terme en fait, ça nourrit pas sur du long terme. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu cher. Mais après, pour 1,18 €, je trouve que 1,18 € c'est pas grand-chose. Ensuite, autre bonne affaire que je pense que vous ne trouverez pas partout, ce sont des fossiles. Alors, les fossiles, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai vraiment voulu tester. Alors, ce sont des Make-up Forever. Je sais pas si vous verrez bien. Et je crois que là, il y a eu une erreur de prix. Parce qu'à la base, ils étaient à 5 euros. Mais les fossiles Make-up Forever, ils sont pas à 16 euros normalement. Je crois qu'ils sont à 16 euros normalement. Enfin, je sais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense qu'ils sont un peu plus chers que 5 euros. Et moi, 40%, donc 3 euros, j'en ai pris deux. C'est exactement les mêmes. Il n'y avait pas d'autres formes de fossiles. Et je me suis dit que moi qui voulais me mettre un peu aux fossiles, je ne sais plus si vous aviez regardé ma vidéo qui s'appelle Du bon côté ou du mauvais côté. Je ne sais plus comment j'ai marqué ça. J'avais testé des fossiles et un œil avait super bien marché et l'autre non. Donc je me suis dit que voilà, je vais essayer avec les Make-up Forever. Au moins, ce serait. Des super bons fossiles assez connus. Il y a une colle à l'intérieur, mais moi j'ai déjà des colles, donc c'est pas ce que je vais utiliser en premier, c'est vraiment les fossiles que j'ai voulu tester. Ensuite, je me suis pris un petit mascara comme ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est des mascaras colorés. Donc en fait, il y a plusieurs teintes. Voilà. Moi j'ai pris la teinte bleu nuit parce qu'il y avait soit bleu nuit, soit violet, je crois. Et c'est des mascaras à mettre au bout des cils. Et en été, ça peut faire super beau, mais vraiment super joli. Et moi, j'en avais pas. J'avais que des mascaras noirs. Et ça coûtait 3,87 € à la place de 13 euros. Donc vraiment, ça vaut le coup, je trouve. C'est de la marque Ciaté. Et ça m'a fait penser aux nouveaux mascaras de chez Yves Saint Laurent. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils sont sortis il y a à peu près une semaine ou deux. Et en fait, c'est des mascaras colorés. Vous avez du vert, vous avez du jaune, vous avez du rouge. Vous avez vraiment toutes les couleurs qui existent. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà, donc pour 4 euros, moins de 4 euros même, c'est pas cher payé. Ensuite, chez Sephora, c'est tout à part. À part ceci, c'est la Clarisse Onyx. Je voulais absolument la tester. En fait, ma copine Wafa m'a acheté la brosse qui fait tout, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de chez Nocibé. Et à vrai dire, j'aime bien, mais je ne l'utilise pas tous les jours parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément agréable à utiliser. Elle n'est pas hyper douce. Et la brosse, elle est douce, hein. La brosse, je ne dis pas, elle est douce, mais je ne sais pas. Vraiment, j'avais envie de prendre la Clarisse Onyx. Si vous êtes au courant, sachez, enfin, si vous êtes au courant, vous devriez savoir qu'au solde dernière, donc les soldes d'hiver, la Clarisse Onyx est passée à 40 euros ou à 50 euros sur le site de Sephora. Je n'ai pas pu en profiter. Et cette fois-ci, je l'ai trouvée à 75 euros au lieu de 150. Donc, je l'ai pris tout de suite. Il y avait celle-ci, il y en avait une autre, et il y avait même la brosse de chez Sony. La brosse de chez Sony. Je crois que c'est Sony. C'est Sony ou pas? Non, Clinique. La brosse de chez Clinique. Je dis n'importe quoi dans ma tête. La brosse de chez Clinique. Et pareil, elle était à peu près au même prix. Elle était à 84 euros, je crois. Mais bon, je me suis dit, voilà, je prends la Clarisse Onyx. C'est celle que j'ai toujours voulu avoir. Je prends celle-ci. Donc, c'est la Mia 2. Je ne connais pas du tout. Mais pas du tout les Clarisse Onyx, quelle est la différence entre tel ou tel modèle. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas. Mais je pense que ça doit être super bien. À l'intérieur, vous avez une brosse pour le visage
et un mini nettoyant. Et surtout son boîtier de transport. Et ça, c'est vraiment bien parce que moi qui aime beaucoup voyager, je pense qu'emmener ça en vacances avec soi, c'est vraiment top. Avec, j'ai pris un nettoyant toujours de la marque Clarisonic, dont celui. J'ai buggé. Donc celui-ci, c'est un nettoyant quotidien des pores en profondeur pour les pores dilatés et les peaux grasses. Et il fait 177 millilitres et il coûtait 15 euros au lieu de 30. Donc il était à moins 50%. Et je l'ai pris, je me suis dit que ça pouvait être sympa à utiliser en combo vu que c'est Clarisonic tous les deux. Je suis pas du genre à utiliser tout le temps les mêmes produits de la même gamme, de la même marque. Mais pour la brosse, je me suis dit que là, voilà, j'allais faire un petit effort. Surtout que c'était en solde et que ça valait vachement le coup. Ensuite, toujours Clarisonic parce que décidément, ils ont tout soldé dans le Sephora où je suis partie. Et je vous dis, ils ont tout soldé. Mais vraiment, c'était des soldes de fou, comme vous pouvez le voir. Et donc, j'ai pris la brosse comme ceci. Donc là, c'est la brosse pour le corps. Et elle était à 7,80 € au lieu de 26 euros. Vous imaginez, moins 70%. Et j'ai pas hésité à la prendre. J'ai même hésité à en prendre deux. Après, je me suis dit, non, vas-y, c'est bon, teste déjà, vois si t'aimes bien. Surtout que c'est une brosse. J'ai bugué. Surtout que c'est une brosse pour le corps. Donc, je me suis dit, voilà, je vais pas tester. J'ai un appel. Je suis désolée. Allô? Oui? Je suis en direct sur YouTube. Oui? Est-ce que tu peux regarder sur YouTube au lieu de m'appeler, s'il te plaît? À tout à l'heure. Bon, désolée. Donc vraiment la brosse, je vous la conseille. Je vous conseille en fait le trio. Je ne les ai pas encore testés, mais pour le prix et pour les réductions que ça a, vraiment si vous pouvez tester, allez-y. Et la vendeuse qui a été super sympa m'a donné des cadeaux. C'est la première fois qu'on fait ça chez Sephora, malgré le fait que j'ai déjà dépensé des centaines et des centaines d'euros chez eux. Et donc elle m'a donné cette petite pochette, qui est une pochette Calvin Klein, donc une pochette toute transparente. Donc ça, c'est assez sympa. Et elle m'a donné des produits Vita Liberata. Je suis désolée pour le bruit. Je disais des produits Vita Liberata. Donc, elle m'a donné une poudre comme ça, une poudre bronzante, auto-bronzante. Ça prend pas que je vois ça. Et Vita Liberata, je voulais vraiment tester. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ces derniers temps, on entend beaucoup, beaucoup de gens en parler. Et donc, elle m'a passé la poudre et elle m'a passé un petit pinceau qui va avec. Voilà, vraiment, c'est top parce que je voulais en plus, je vous dis, je voulais vraiment tester. Et à chaque fois que je demandais des échantillons, on me disait, ouais, il n'y a pas de, comment ça s'appelle? Il n'y a pas de testeur, on ne peut pas vous passer des échantillons. Enfin voilà, donc j'ai pas compris leur délire par rapport à ça. Et elle est venue, elle m'a directement passé des produits, quoi. Donc voilà, je suis assez contente par rapport à Sephora. Ensuite, donc pour Sephora, c'est fini, hein. Question make-up, c'est fini. Ensuite, j'ai juste acheté une crème pour les mains à la rose pour ma mère. Donc celle-ci vient de chez The Body Shop. The Body Shop, ils ont pas mal de trucs en solde. Ils ont pas mal de crèmes pour le corps, de gel douche. Ils ont même des soins en solde, vraiment intéressants. Mais moi, il n'y avait rien qui me tentait. J'ai trop de choses dans mes tiroirs et j'en ai marre de mettre et de pas utiliser. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me contenter de ce que j'avais besoin seulement. Et celle-ci, c'est pour ma mère, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et je l'ai payée 3,50 €. Donc, vraiment pas cher. Je crois qu'à la base, elle est à 7 euros. Ensuite, on va passer aux vêtements. Je suis passée chez Undies, chez Stradivarius et chez Primark. Je suis aussi passée chez H&M, mais j'ai rien acheté. Zara, je suis rentrée, je suis ressortie parce qu'il y avait trop de monde et je supporte pas le monde. Et je crois que je suis aussi rentrée chez Pull&Bear. Non, je suis pas rentrée chez Pull&Bear, j'ai pas eu le temps. Je pense que j'irai demain ou un autre jour, je verrai. Mais je pense que les vêtements, c'est pas fini. En tout cas, pour moi, les vêtements, c'est pas fini parce que je voulais vraiment acheter des vêtements cet été, enfin
ces soldes-ci. Et on va tout de suite commencer, parce que je parle trop, je sais. On va tout de suite commencer avec Undies. Alors, Undies, si vous êtes au courant, c'est une marque qui fait des sous-vêtements et des produits, enfin des habits de maison. Et chaque solde, ils font moins 50% sur tout le magasin ou presque. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, j'achète plus jamais chez eux hors solde parce qu'au final, je trouve à chaque fois ce que j'ai envie pendant les soldes et je trouve ça vachement intéressant pendant les soldes. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté parce que sinon, il risquerait d'y avoir une guerre mondiale sur YouTube, n'est-ce pas ? Donc, je ne vais pas vous montrer, mais sachez qu'il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des collections été, je crois qu'il y avait même certaines collections un peu passées. Donc, si vous avez raté certaines collections, n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment des bons plans sur chez Undies. Ensuite, chez Stradivarius. Alors, je réponds vite fait en commentaire et en même temps, puisque c'est le principe. Alors, il y a Esmeralda qui me dit « Salam, j'ai trop aimé ta routine Ramadan ». Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je sais que la routine vous a beaucoup plu. Je sais que, voilà, vous avez été nombreuses à la vouloir, même s'il n'y a vraiment pas quelque chose d'intéressant dans cette routine. Mais je suis contente qu'elle vous ait plu. Ensuite, on va passer à Stradivarius. Alors, je vais éviter de faire trop de bruit. Stradivarius, j'ai pris seulement deux hauts parce que je n'ai pas trouvé des choses hyper intéressantes. J'ai cherché un peu des tuniques, j'ai cherché des robes, j'ai cherché des jeans et vraiment Stradivarius, ils m'ont pas. Voilà, pour l'instant, en tout cas, ça ne m'a pas plu. Donc, première chose que j'ai pris, c'est cette chose. Donc, c'est un petit pull comme ceci avec des pois noirs où il y a écrit ici. Sorry, no wifi, talk to each other. Donc, désolé, pas de wifi. Parlez l'un avec l'autre. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et je l'ai payé 6 euros. Ouais, 5,99 €. Je me suis dit que c'était super sympa pour les périodes un peu, voilà, encore un peu froides. Même si aujourd'hui, il a fait 30 degrés. Et j'ai pris autre chose. J'ai pris ceci. Donc, c'est une tunique avec un tissu un peu épais quand même. Et pareil, je crois que je l'ai payé 6 euros. Voilà, pareil, je l'ai pris en taille M. J'ai pas voulu la prendre en taille S, j'ai eu peur. Surtout que pendant les soldes, moi, j'essaye jamais. Moi, c'est mort. Hein. Pendant les soldes, je ne rentre jamais dans une cabine d'essayage. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est même pas la peine. Et voilà, donc j'ai pris ça, je ne les ai pas du tout essayés, je verrai bien ce que ça donne, si j'aime ou pas. De toute façon, si j'aime pas, j'irai retourner les affaires. Et de toute façon, je vais retourner chez Pull & Bear et chez Bershka, parce que je pense que je peux trouver des choses plutôt intéressantes. Et pour finir, avec ce que j'ai acheté, je suis passée chez Primark, comme je vous l'ai dit. Je suis partie au Primark de Créteil avec mon frère aujourd'hui. Mon frère n'était jamais parti chez Primark et il avait besoin de s'acheter 2-3 trucs. Je lui ai dit, bah, écoute, t'as qu'à venir avec moi, surtout que c'est les soldes. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais Primark m'a un peu déçue. Je m'attendais à avoir plus de soldes, plus de choses bien soldées et au final, il n'y avait pas tant de soldes que ça. Donc voilà, j'étais un peu déçue, mais j'ai quand même trouvé des choses. Hein. Et j'ai un sac Agatha parce que je suis passée voir Wafa, qui travaille au Agatha de Créteil. Si vous passez là-bas, si vous passez par là-bas, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. À mon avis, ça va être drôle. Et donc, elle m'a passé un sac parce que le sac Primark s'est déchiré. J'ai jamais de chance avec les sacs. Et il s'est déchiré, donc... J'avais acheté plein de produits et ils ont failli tomber par terre. Donc, on va tout de suite commencer. J'arrête de blablater. On va tout de suite commencer avec des chaussettes. J'ai acheté deux packs de chaussettes. Voilà. Alors, moi, c'est les chaussettes que j'achète tout le temps chez Primark. Vraiment, c'est exactement la même forme.
J'en ai énormément, je les achète souvent en noir et je les achète comme ça par pack de 5 parce que je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils tiennent bien, voilà, qu'ils sont hyper confortables. C'est assez bizarre de dire ça pour des chaussettes, mais j'aime beaucoup. Et à la base, le kit de 5 sont à 3 euros et là, ils étaient à 1 euro, donc je trouvais ça hyper intéressant. Donc j'ai pris ceux-là qui sont trop mignons avec des petits pompons. Alors, ils ne sont pas tous avec des petits pompons, il n'y en a que deux. Et sinon, voilà, ils sont un peu acidulés, couleur pastel, couleur un peu flash. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai pris ceux-là, pareil, 1 euro. Ceux-là m'ont fait un peu penser aux États-Unis. Un peu la fête. Je sais plus comment s'appelle leur fête, là, où ils font plein de trucs comme ça en bleu, en rouge, de la nourriture. C'est pas la fête de l'indépendance, ils ont toujours été indépendants, eux. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout quelle est leur fête, mais ça m'a fait penser aux États-Unis, donc j'ai beaucoup aimé. Mais puis 1 euro, honnêtement. Ensuite, j'ai pris un petit legging comme ceci. Voilà. Tout simple, je l'ai pris en taille 36. J'aurais peut-être dû le prendre en taille 34, je ne sais pas, je verrai bien. Et il était à 4 euros, il est passé à 3,50 euros, donc il n'y avait que 50 centimes de différence. Mais ce n'est pas un souci, enfin, je ne l'ai pas acheté parce qu'il était en solde, je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup traîner comme ça à la maison. Je trouve ça hyper confortable et voilà, honnêtement, ce n'est pas comme si je recevais des invités tous les jours et je devais m'habiller comme il fallait tous les jours. Ça me suffit largement. Je vais juste lire vos commentaires parce que je vois que j'ai des commentaires. LOL, guerre mondiale, le mot est faible. En effet, le mot est très faible, mais si je dis d'autres choses encore, voilà, ça va encore s'enflammer. Moi, j'en ai marre de ces histoires-là. Si vous avez été sur Snapchat et que vous avez vu mon coup de gueule, je pense que vous me comprenez. Et Esmeralda qui me dit, elle était très bien, sa routine, je vois pas le problème, il y en a marre des imamettes du net. En effet, je suis d'accord avec toi. Il y en a un peu marre. Mais j'ai pas envie de pousser mon coup de gueule là maintenant tout de suite. Honnêtement, je suis bien, je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'on peut dire. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser et les gens peuvent dire. Moi, je fais ce que j'aime et j'ai pas envie de, comment dirais-je? J'ai pas envie de jouer un rôle et de faire des choses que je ne fais pas d'habitude, de dire des choses que je ne dis pas d'habitude, pour avoir plus d'abonnés. Et sachez qu'il y a beaucoup de filles qui le font. Et moi, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de vous dire non, je me maquille pas, non, je m'habille comme ceci, comme cela. Ça sert à quoi? Le jour où vous allez me voir dehors et que vous allez voir que, en fait, c'est complètement le contraire, vous allez vous dire quoi? Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans un truc comme ça. Salem, ma belle, j'ai juste une question. J'ai aussi adoré ta routine de Ramadan, mais que penses-tu de celle de Sarah Adjaoud, si tu la suis? Alors, Sarah Adjaoud, oui, je la suis, je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée pendant la Beauty Cruise. C'est une fille vraiment que j'aime énormément. Je trouve ça très bizarre parce qu'elle se maquille dedans. Mais pourquoi est-ce que tu trouves ça bizarre, les copines bio? Dis-moi pourquoi. Personnellement, je trouve pas ça bizarre. Elle a le droit de se maquiller. Et puis, même si elle n'avait pas le droit, elle fait ce qu'elle veut. Elle est grande, elle est majeure, elle est vaccinée, elle est mariée, elle a même des enfants. Donc, je peux vous dire que si son mari lui dit rien, c'est pas vous, des gens qu'elle ne connaît pas, qui allez lui dire quelque chose. Je comprends pas, c'est quoi cette idée que vous avez dans la tête à vous dire, enfin, à jouer les policiers. Voilà, c'est ça en fait. En fait, il y a des gens qui viennent sur YouTube pour jouer les policiers de l'islam. Non, tu dois pas faire ça. Non, tu dois pas prier comme ça. Non, la dernière fois, on m'a dit quoi? Ouais, tu pries là où tu as mis tes chaussures, je sais pas quoi. Heureusement que j'utilise un tapis de prière. Heureusement. Non, mais sérieux, je vous dis, j'ai pas envie de parler de ça parce que je vais m'énerver. Mais honnêtement, ça m'énerve parce que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est obligé de se justifier à chaque fois. Enfin, moi aussi je me maquille. Et quand bien même elle ne se maquillerait pas, eh ben vous trouverez encore des choses à dire sur ce qu'elle fait et sur ce qu'elle fait pas et sur ce qu'elle montre. Si c'était pas le maquillage, ça aurait été la bouche.
Si c'était pas la douche, ça aurait été de l'antifrice. Si c'est pas de l'antifrice, ça aurait été sa nourriture. Arrêtons un peu, sérieusement, arrêtons. Arrêtons de toujours chercher la petite bête comme ça à chaque fois qu'il y a un truc. Vous cherchez la petite bête comme si il fallait la chercher. Non, il ne faut pas la chercher, chacun fait ce qu'il veut. Et puis elle a bien raison de s'être maquillée dans sa routine parce que ça prouve qu'elle est honnête avec vous et qu'elle ne fait pas les choses par derrière et qu'elle vous montre comment elle est. Donc après, si vous appréciez, tant mieux. Mais si vous appréciez pas, ça sert à rien. Enfin voilà, si vous appréciez pas, ne regardez pas. Honnêtement, il y a des filles sur YouTube. Moi, j'ai vu des filles qui font des vidéos avec un niqab. Celles-là aussi, on peut les critiquer. Pourquoi est-ce que tu fais des vidéos avec un niqab? Dans ce cas-là, fais pas de vidéo, etc. On peut critiquer tout le monde. Tout le monde peut critiquer qui on veut. Mais je veux dire, si vous n'êtes pas content avec l'un, allez voir l'autre. Il y a de tout sur YouTube. De nos jours, il y a de tout. Il y a 4 ans et il y a 5 ans, il n'y avait pas autant de personnes, il n'y avait pas autant de youtubeuses, il n'y avait pas autant de variétés. Aujourd'hui, il y a de tout. Pourquoi est-ce que vous voulez chercher la petite bête avec les gens que vous n'aimez pas ou les gens dont vous n'appréciez pas le travail? Enfin, honnêtement, voilà, c'est quelque chose qui m'énerve et j'ai rien à dire sur sa routine. J'ai beaucoup aimé, j'aime énormément ce qu'elle fait. Pour l'avoir rencontrée, je peux te dire que c'est une fille hyper simple, hyper gentille, hyper douce. Enfin, vraiment, comme sur ses vidéos, vraiment, j'ai rencontré pas mal de filles. Il y a des filles qui m'ont déçue. Il y a des filles dont je ne m'attendais pas à la... Enfin, je ne m'attendais pas de les voir comme ça. Je ne m'attendais pas de les voir, je ne sais pas, leur façon d'être, leur façon de parler peut-être. Mais concernant Sarah, j'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai rien à dire. C'est une fille que j'aime beaucoup. Et si on n'aime pas, on ne regarde pas. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pour continuer avec Primark, parce que je suis quand même ici pour vous montrer mes soldes. Pour continuer avec Primark, j'ai pris deux petits débardeurs comme ceci. Moi, j'adore porter ça l'été. Parce que je trouve que on est bien dedans, ça nous sert bien, on se sent bien, on se sent à l'aise. Donc, j'aime énormément. Donc, j'en ai pris un avec des petites mains de Fatma. J'arrive pas à parler. J'en ai pris un avec des petites mains de Fatma. Donc, c'est en gris et en noir, tout simplement. Et j'ai payé ça 4€. C'était pas en solde, mais j'ai beaucoup aimé la façon. Voilà, comme je vous dis, j'aime énormément porter ça. Et j'en ai pris un deuxième. J'ai pris celui-ci qui est exactement pareil, sauf qu'il est rose et noir avec des motifs un peu aztèques, je dirais. Je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Et 4€. Et je les ai pris les deux en taille 34 parce que, comme je vous dis, j'aime bien quand ça serre. Et 34, c'est vraiment parfait pour moi. Ensuite, toujours chez Primark, je me suis pris des petites culottes. Bien évidemment, je ne vais pas vous les montrer parce que sinon... C'est pas la guerre mondiale qu'il va y avoir, c'est je sais pas, Hiroshima numéro 2, parce que là, voilà, je vous connais maintenant. Et je vais juste vous présenter la dernière chose que j'ai achetée à part mes petites culottes. C'est un pull. Je range un peu, hein, je suis désolée. C'est le bordel autour de moi. Donc c'est juste, enfin, c'est pas un pull, c'est une tunique qui se présente comme ceci. Donc, assez longue, hein, qui vient à peu près à la moitié des genoux, enfin, moitié des cuisses plutôt. Et je l'ai payé 7€ au lieu de 13€ et je l'ai pris en taille 36. Donc, je la trouve super jolie. Elle est hyper légère. Alors, est-ce qu'elle est transparente? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je dirais oui. Je pense qu'elle est transparente. Donc, si vous l'achetez... Bah, mettez un truc en dessous, mettez un débardeur au moins. Mais ouais, moi j'aime beaucoup ce genre de tunique, surtout l'été. Je mets ça avec un jean et puis voilà, ma tenue est faite. Donc cette couleur, il y avait cette couleur, il y avait du rouge, il y avait. On vient m'envoyer un texto qui m'a fait assez rire. Je vais vous le dire après. Il y avait du rouge, il y avait du jaune, je crois, il y avait du noir, il y avait pratiquement toutes les couleurs. Et il y avait beaucoup de gens dessus. Donc, je pense
que ça ne va pas rester très longtemps. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ça chez Primark et aller faire un tour. Bon, même si voilà, Primark, ça ne m'a pas trop plu, ça m'a un peu déçue, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'il y a quand même des petites pièces. Les chaussures, j'ai rien trouvé. Pourtant, je pensais que j'allais vraiment trouver des chaussures chez Primark. Et je sais pas, leur solde, c'était trop bizarre cette année. Il y avait des trucs, ils étaient à 10 euros. Ils les ont soldés à 8 euros. D'habitude, ils font pas ça. Enfin, je sais pas. Peut-être que je suis partie trop tôt. Mais bon. Il y a Tadia qui nous dit « Quand revoit-on ton amie ?» Dis à toi, elle est marrante, machallah. Dis à tout, vous la reverrez très très vite, c'est prévu, vous inquiétez pas, dis à tout, moi aussi j'aime trop faire des vidéos avec elle parce qu'on se tape tout le temps des délires, enfin même elle est en vacances, on se tape tout le temps des délires, on rigole tout le temps, elle me suit dans tous mes délires, donc c'est vrai que dis à tout, vous allez souvent la revoir je pense, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir son blog, oui parce que je vous l'ai mis sur Snapchat, donc pour celles qui ne me suivent pas sur Snapchat, le blog de dis à tout, c'est la jungle de Jimmy, je me souviens même plus. Jimmy, la jungle de Jimmy, je crois. Je vous le mettrai en barre d'infos dans mes prochaines vidéos, vous l'aurez tout le temps. N'hésitez pas à aller voir son blog. Elle fait vraiment des trucs. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle n'est pas encore prête à passer devant une caméra elle-même, c'est-à-dire devenir youtubeuse. Moi, j'aimerais bien qu'elle devienne youtubeuse, honnêtement. Je pense qu'elle a un bel avenir. En plus, voilà, c'est nos Renois. Elle pourrait donner des conseils afro. Il n'y a pas beaucoup de Renois. Il y en a quelques-unes, mais bon, ce n'est pas quelque chose qui est hyper courant, on va dire. Ce n'est pas celle qu'on voit en premier. Et je pense que ça peut être pas mal, honnêtement. Je pense que Diatou youtubeuse, ça doit donner quelque chose. Shani Hassam nous a dit c'est le 4 juillet, l'indépendance. Ouais, voilà, donc c'est ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ces chaussettes-là. Je ne sais pas. J'ai pas tous vos commentaires, je pense. Je vais vérifier sous ma vidéo. Alors là, je vais faire un truc. Petite question, comment est-ce que vous êtes tombé sur ma vidéo? Parce que moi, je ne la vois pas, ma vidéo. Quand je vais dans mes vidéos, je la vois pas. C'est bizarre, non? Comment est-ce que vous êtes tombé? Ah, salle de contrôle en direct, c'est peut-être ça. Et honnêtement, je comprends rien du tout. Je suis désolée pour ce live. Je sais que c'est du n'importe quoi. Je suis désolée, hein. Je vous promets, la prochaine fois que je fais un live, je le fais bien. J'essaie de le faire comme il faut, avec les commentaires, etc. Parce que là, bon, je sais que c'est pas super cool pour vous. J'espère que ça vous fait quand même plaisir. Alors, il y a mon chéri qui m'a dit c'est marqué actuellement en direct. Ouais, mais pourquoi est-ce que moi, je vois pas ma vidéo? Je comprends pas, je comprends rien. Je comprends rien du tout. Bon, écoutez, j'espère que ça vous plaît quand même. Je crois que je ne suis pas en direct. C'est direct. Je crois qu'il y a un peu un décalage, non? Je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour ce live qui part n'importe comment. Mon téléphone s'est éteint. Je vais le charger. Où est-ce que j'ai mon chargeur? Ah, j'ai mis où mon chargeur? Ah bah juste alors. J'ai perdu mon chargeur. Ouais, à force d'avoir 36 000 sacs autour de moi. Alors là, quelqu'un qui vient sur ce live tout de suite maintenant, il se dit, mais c'est quoi cette folle, quoi? J'ai perdu mon chargeur. Ah non, il est là! Ah là, ça, c'est l'histoire de ma vie. J'étais assise dessus. Je vais mettre mon téléphone en charge pour pouvoir voir vos commentaires quand même. Si vous en laissez, bien évidemment. Génial,
Ton direct déchire. Alors, il y a Samira qui veut que je dise à ses enfants, Younes et Jenna, d'aller se coucher. Alors, écoutez-moi bien, Younes et Jenna, je sais que vous me regardez. Oui, Younes, je te vois. Et Jenna aussi, je te vois. Alors, vous allez tout de suite aller vous coucher. Et vous allez arrêter d'embêter votre maman, d'accord? Et vous allez lui dire de faire des vidéos parce que Shani et Sam, elle nous manque un peu sur YouTube. Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils sont choqués? Est-ce qu'ils ont eu peur? Il y a Tadia qui me dit ta vidéo s'est affichée sur la page d'accueil pour ça. Moi, j'ai envie de regarder ma vidéo comme si vous, vous la regardiez. Comment est-ce que je peux faire pour voir les commentaires en direct? Je comprends rien, honnêtement, je vous jure, je comprends rien. Pourtant, je suis pas non plus hyper bête, quoi. Ça va, hein. Je suis pas... Je comprends pas. Je suis désolée, hein. C'est le bordel. Oups, j'ai dit un gros mot. Dites-moi... Dites-moi quelle est la vidéo que vous voudriez voir le plus pour l'Aïd. Dites-moi en commentaire. J'ai quelques idées de vidéos, mais je ne sais pas si vous voudriez vraiment des vidéos un peu qui sortent de l'ordinaire. Parce qu'en fait, moi, ce que je compte faire, c'est vraiment des vidéos lambda, pour ne pas vous donner trop de détails, mais c'est vraiment des vidéos lambda. Vous en aurez... 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, vous en aurez 5, je pense, parce que je vais vraiment séparer les trucs. Je vais faire en sorte que vous ayez pas mal de vidéos ces temps-ci. C'est ce que j'essaie de faire, d'ailleurs. J'essaie vraiment de... Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'essaie de mettre une vidéo par jour. Alors aujourd'hui, vous n'en avez pas. Aujourd'hui, c'est un live. Vous pouvez m'excuser pour ça. Mais c'est vrai que j'essaie de faire en sorte que vous puissiez avoir une vidéo par jour. Et bon, j'ai pas mal d'idées, hein, mais le truc, c'est qu'il y a des vidéos qui prennent un peu plus de temps à être filmées, un peu plus de temps à, voilà, à monter, etc. Et je ne peux pas forcément tout le temps tenir cette cadence. Donc, n'hésitez pas à me dire quelles sont les vidéos un peu originales que vous voulez pour que je puisse commencer à les filmer parce que, en fait, c'est ça que je fais. C'est que pendant Ramadan, comme vous avez vu sur ma routine, je travaille aussi beaucoup sur YouTube pour pouvoir vous sortir pas mal de vidéos, pour pouvoir essayer de vous donner des choses que vous aimez. Alors... J'espère que ça vous plaît quand même parce que je fais ça pour vous, hein, je vous le dis. Ah, alors, j'ai pas mal de commentaires. Tac, tac, tac. Crie, tata, tata, tire-moi la langue. Younes. Younes, je te vois. Arrête d'être méchant avec Jenna. Je sais que t'es méchant avec Jenna. Fais-lui un bisou. Je me dis, mais c'est quoi cette fille? Get ready with me. C'est pas tellement original, Samira. C'est pas original. J'ai pas envie de trop parler, mais c'est pas original. Des recettes de gâteaux. Alors, des recettes de gâteaux, sachez que chez moi, donc, quand je dis chez moi, c'est vraiment ma mère, mon père, etc., ma grand-mère. On n'est pas du tout, mais pas du tout, du genre à faire des gâteaux arabes chez nous. Mais vraiment pas du tout. Ma mère, elle en a, je crois, jamais fait de sa vie. Ma grand-mère, je ne veux pas trop m'avancer, mais à mon avis, elle n'en a pas fait non plus. Et moi, je sais faire un ou deux gâteaux. Il y en a un, je vous ai déjà mis la vidéo sur YouTube, c'est le Raïba. Raïba, en fait, c'est... un gâteau à base de farine de pois chiche qui est super bon. Moi, c'est un gâteau que j'aime énormément.
Et à part ça, je ne sais pas faire grand-chose, en fait. Et le problème, c'est que voilà, chez moi, on ne fait pas de gâteaux. Chez moi, on achète beaucoup de gâteaux. Et donc, j'ai pas envie de vous faire des vidéos de gâteaux si moi-même, je ne sais pas les faire. Parce que déjà, je ne pourrais pas vous faire ça. Déjà, voilà, ça va foirer, ça, c'est sûr. Et comme je vous dis, j'ai pas envie de faire des choses que je fais pas d'habitude. Et les gâteaux, c'est vraiment quelque chose que je fais pas. Donc, malheureusement, des recettes de gâteaux, je pense pas que vous en aurez. Surtout pas pour l'Aïd. Je pense vraiment pas. Parce que déjà, enfin, pour l'Aïd, déjà, je sais pas si vous êtes au courant, mais mes parents sont jamais là pendant Ramadan. Enfin, c'est très rare qu'ils soient là. Et chaque année, donc, je le passe soit toute seule, soit avec mes frères, avec ma sœur. Enfin, cette année, je suis vraiment toute seule. Mon frère habite juste à côté, mais voilà, il passe pas à la maison. C'est voilà, chacun sa maison. On est un peu comme ça. Et ça me dérange pas du tout, hein. Mais tout ça pour vous dire, c'est que à la fin, quand c'est l'Aïd, nous, on fait pas grand-chose. Enfin, moi, je suis ici à la maison. J'ai un frère au Luxembourg, j'ai ma sœur qui est hyper loin dans le 77, j'ai mon autre frère qui est là, mais bon voilà, même avec lui on fait pas grand-chose, on va pas se regarder dans le blanc des yeux en train de manger des gâteaux, enfin voilà. Et donc là pour cette Aïd-là, on achète rien, on fait rien de particulier. Par contre pour l'Aïd où on égorge le mouton, là par contre mes parents partent au bled, donc soit je vais avec eux, soit je reste ici, enfin ça dépend. Et là on fait un peu plus quelque chose. Mais c'est vrai que ouais, concernant les gâteaux, c'est pas à moi qu'il faudrait demander. Je suis pas dans une famille de cuisinières, on va dire. Shani Assam qui nous dit c'est pas original mais je kiffe de ouf. Oui, je sais, mais ça prend énormément de temps, les gâteaux d'Yves-Mie, c'est ça le problème. C'est que ça prend beaucoup de temps. Et en fait, une fois que c'est fait, après, on n'a plus trop d'idées. Moi, je comprends pas les youtubeuses qui en font un tous les mois. Moi, je trouve pas les idées pour faire ça. Même si, imaginons, entre, je sais pas, je veux dire, le printemps et l'été, il n'y a pas tellement de différence, en fait, dans ma routine. Ma routine change vraiment lorsque je finis les produits. Ou lorsque j'ai des nouveaux produits, là par exemple, avec la Clarisonic, je vais avoir une nouvelle routine, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que je vais vous en tourner une. Mais c'est vrai que les Get Ready With Me, pareil, hein, que ce soit, je sais pas, pour aller à une soirée, pour aller à un dîner, c'est tout le temps la même chose. Donc c'est pour ça. Bon, je vais voir. Je vais voir. J'ai pas envie de dire oui, j'ai pas envie de dire non, je vais voir. Bisous Samira, Samira qui nous quitte. Allez la voir sur sa chaîne et allez lui dire de faire des vidéos, même si ça arrive très bientôt. Allez la voir sur sa chaîne. Samira que j'aime beaucoup. Samira, vous devez sûrement la connaître. C'est une fille vraiment au top que j'aime beaucoup. Donc là, elle doit être partie, je pense. Mais c'est une fille que j'apprécie énormément. Il y a peu de gens que j'apprécie. Pourquoi, ça, je sais pas. Parce que j'ai un caractère comme ça, j'aime pas beaucoup ni me mélanger, ni être, je sais pas, j'aime pas trop mélanger. Je suis très ouverte, ouais, je suis très ouverte, mais c'est vrai qu'il y a des gens, voilà, je les supporte. En fait, dès que je les vois, je les sens pas. Je sais pas pourquoi. Et il y a énormément de gens que je ne sens pas. Alors le problème, c'est que je me retrouve avec très peu de personnes avec qui je m'entends bien. Mais ça me suffit largement. Je ne demande pas des nouveaux amis. Enfin voilà, ça me suffit largement. Je suis fidèle et je n'ai pas besoin de plus. Et je regarde les commentaires, mais je pense que j'en ai plus. Je suis désolée si je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire au mieux pour la prochaine fois. Et j'espère que ce live vous aura plu. On va se quitter très bientôt parce qu'à mon avis, ça va bientôt être l'heure de manger chez vous comme chez moi, comme chez pratiquement tout le monde en France. J'espère que votre journée s'est bien passée, vous. Je ne sais pas si vous avez fait les soldes, vous ne m'avez pas dit, ou du moins, je n'ai pas vu de commentaires là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez fait les soldes.
Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Après, je ne sais pas en fait si on pourra revoir la vidéo. J'espère que oui, parce que ça pourrait être sympa. Et n'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire en me disant si vous avez fait les soldes ou pas et qu'est-ce que vous avez trouvé et si vous comptez les faire, qu'est-ce que vous comptez acheter d'après ce que je vous ai dit. Parce que vraiment, vous pouvez trouver des bonnes affaires. Honnêtement, je vous dis, suivant les magasins, vous pouvez trouver des bonnes affaires. Après, il suffit juste d'aller dans les bons magasins et de tomber sur les bons magasins, ceux qui ont du stock, ceux qui ont des invendus aussi peut-être. Donc voilà. Donc écoutez. J'espère que je vous aurai bien fait rire, que vous aurez apprécié ma compagnie et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Un nouveau live, je ne sais pas parce que je vais attendre de me familiariser avec ça. Mais je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à regarder mes vidéos. Tiens, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, mes dernières vidéos. Vous n'êtes pas beaucoup, donc je vous le dis à vous. N'hésitez pas à regarder mes dernières vidéos. Vous allez trouver une petite surprise dans l'une de mes vidéos. Je ne dis pas laquelle, je ne dis pas où, je ne dis pas quand. Mais si vous voulez une petite surprise, il faut regarder mes vidéos en entier. Donc voilà, écoutez les filles, je vais vous laisser. Moi, je commence à avoir mal aux jambes. Je suis assise, hein, mais je suis en tailleur. Donc, je commence à avoir mal aux jambes. Je vais aller me faire manger et je vous dis à très vite. Bisous.